On a commencé les yaourts en 2013 en fait. Je me suis mis en disponibilité, j'étais fonctionnaire. Et maintenant, on est 9 personnes sur la ferme des Forges. Et on fabrique, on transforme une partie de notre lait en yaourt, en dessert lacté, en fromage blanc, en riz au lait. On va donc laver les crayons. On va enlever les premiers jets de lait. Le but, c'est vraiment que la mamelle soit très propre pour la traite, qu'il n'y ait pas de spores butyriques, afin qu'on ait un lait de qualité pour la transformation derrière. Une fois que nos cuves sont pleines, on peut directement pasteuriser le lait et puis le transformer derrière. Nous, il n'y a aucun traitement thermique avant la pasteurisation pour garder tous les éléments nutritifs du lait. Donc le lait, là, il arrive de la salle de traite. Le pasteurisateur, c'est une grosse cocotte avec de l'eau autour. On chauffe tout doucement le lait pour ne pas détruire les éléments essentiels du lait. Donc là, j'ai ma bonne dose de lait, donc après je rallume et je choisis mon programme en fonction 1 yaourt, 2 crème dessert. Après, en général, il faut compter à peu près une heure de pasteurisation sur l'ensemble des produits. Donc nos confitures, on les achète chez un artisan et ils sont tous agréés bio. Donc voilà, on est bon, on est supérieur à 125 grammes. Et après, on prend les 4 pots et après, on les cartonne. On est déjà en vente directe. On est ouvert tous les samedis de 10h à 12h. Et on fournit des magasins de producteurs, les GMS et la vente directe, les collèges et les lycées. Les gens sont contents et j'apprécie beaucoup quand on me dit « je retrouve le goût de l'ancien, de ma grand-mère », ainsi de suite. Ça me fait plaisir.